J'ai pas de slides, parce que j'ai pas eu le temps. En train, c'était pas marrant de faire des slides. Donc j'ai, comme Mickaël vous l'a peut-être dit, j'ai commencé le module de chat. Okay, donc pour permettre de poursuivre Slack et mettre le chat dans OpenPass. Donc ce que j'ai fait, ça serait mieux avec des slides, effectivement, c'est que j'ai repris le style que Jérémy m'a envoyé la semaine dernière. Donc là, je suis connecté en tant que ami. Ça, c'est moi. Donc là, il y a des messages qui sont. Au moment, il n'y a pas de persistance. Donc les messages, c'est des mots qui me sont envoyés par. Enfin, c'est moqué au niveau du front-end. Pareil, là, je suis connecté avec un autre utilisateur. Ok. Et donc, bon, juste pour voir que ça marche, donc je vais faire. C'est pas mal déjà. On applaudit là. Je vais reprendre les détails techniques après. Là. Mais ce qu'on a fait quand je suis arrivé, c'est qu'on a rajouté le truc à la Slack. Bon, on n'est pas très bon en HTML, donc si on fait coucou aussi, si je me dépêche, alors que l'autre il est typing. Coucou, est-ce que je peux scroller en même temps là? Typing, tant que je type. Le bel ID is typing. Donc, comment ça marche? Donc, pour le moment, ce que j'ai fait, ça marche qu'en WebSocket. Quand il y a un mec qui peut faire une tape en chat pour envoyer un message, je balance vers le serveur un message au bon format. Et le côté WebSocket au niveau serveur, je vais rebalancer à tout le monde dans le channel. Donc il n'y a pas de persistance de message comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est pas, on a déjà tout ce qu'il faut dans l'RSE pour le faire, donc il n'y a pas un gros challenge là-dessus. Voilà, donc après il y a toutes les petites fonctionnalités qu'on peut imaginer, donc il faut reprendre ce qui est vu dans Slack, etc. On va avoir le même type de rendu. Voilà, donc c'était juste une petite démo pour vous montrer ce que j'ai bootstrappé dans le train puis vendredi soir, voilà, ce week-end et dans le. Archie, on en a pas parlé, mais pour moi j'ai fait beaucoup de transport abstrait, donc j'ai plugué un transport WebSocket. On peut imaginer faire un transport peer-to-peer si on en a l'envie ou n'importe quoi en fait. Hein. Donc c'est totalement abstrait au niveau du client, il y a juste un service à changer, puis ça continue à marcher dans le processus. Donc on est plus loin de faire mon interface. Voilà. Je pense que persister où le message après. Normalement. En fait, on reçoit tout dans le serveur, donc dans le serveur, on reçoit un JSON, on sauve et puis on réutilise les activity stream qu'on a déjà utilisé dans les communautés. Donc après, ça remarche, enfin, on a déjà tout ce qu'il faut au niveau backing. Donc, normalement, il n'y a pas de souci pour. Stocker et puis après rajouter la recherche, etc. Quoi. Chose qu'on n'a pas pour le moment dans les communautés, mais on peut très facilement rajouter la recherche avec ce que j'ai fait dans mon travail sur Docker, là où on peut facilement plugger, aller indexer les documents dans Elasticsearch en rajoutant deux lignes de code. Merci. Très bien.